Utilisez des filtres courants de base de données pour affiner votre recherche. Les bases de données et les interfaces de recherche des bibliothèques comprennent habituellement des outils appelés filtres ou délimiteurs pour vous aider à affiner votre recherche afin de vous permettre d'obtenir des résultats plus exacts et pertinents. Lorsque vous sélectionnez un filtre, tous les résultats de recherche ne correspondant pas aux critères de recherche du filtre sont retirés de votre liste de résultats. L'utilisation de filtres peut vous aider à restreindre vos résultats de recherche aux entrées les plus pertinentes à votre sujet. Jetons un coup d'œil à certains des filtres les plus courants et leur utilisation. Texte intégral, appelé aussi disponible en ligne ou à votre bibliothèque. Sélectionnez ce filtre pour restreindre vos résultats aux sources que vous pouvez consulter dans leur intégralité. Texte intégral, l'article, etc. Examiné par les pairs. Sélectionnez ce filtre pour vous assurer que tous les résultats proviennent de revues révisées par des pairs, aussi appelées revues à comité de lecture. Plage de date, date de publication. Ce filtre limite votre recherche aux articles publiés dans une période de temps donnée, ce qui peut être utile si vous devez vous assurer de trouver des renseignements actuels. Langue. Ce filtre limite vos résultats de recherche aux articles rédigés dans une ou plus d'une langue. Vous pouvez sélectionner toutes les langues que vous pouvez lire. Âge. De nature moins générale, ce filtre se retrouve plus couramment dans des bases de données portant spécifiquement sur les sciences de la santé. Ce filtre limite votre recherche aux articles portant sur des populations d'âge spécifiques, bébés, enfants, adolescents, etc. Vous connaissez maintenant certains des filtres à utiliser pour affiner votre recherche. Explorez l'interface de recherche de votre bibliothèque et les bases de données, puis essayez vous-même ces filtres et voyez si d'autres filtres sont également disponibles. Merci d'avoir visionné cette vidéo.